Matondo mingi en tout cas, matondo mingi sorop na tout cas, na technique sorop na na loyembo otiko pesa biso sorop na tout cas, na un po kwa na lelo. Alors, ba mama tata bande kwa lande akongo bololo, tozongi pona deuxième partie na biso, en tout cas, deuxième partie na biso, tokoza ba mama ba mokuse, ba mama tata bande kwa lande akongo bololo, et pa api tozali ko pesa bino sorop na tout cas, ba mbote pe ba lusako, ba yenge kieno na bino, ba mama tata bande kwa lande akongo bololo. En tout cas, lelo ezali ya solo pe en tout cas mokolo moi. Mine ya poso mokolo moi. Zomi ya sanza ya misato mobu ya koto mibale na tukumi bale na mibale. Tukumi bongo na ngonga zomi na mwambi na miniti zomi na mwambi ringi oroba ngonga motoba na miniti zomi na mwambi ya sima ya nzanga. En tout cas, bama tataba ndi kwa landa kongo bololo. Tuye kotye la bino tout simplement. Allocution. Ya Mobutu. Mobutu n'était pas que un dictateur, mais il était aussi défenseur, n'est-ce pas? Ya Baindo, ya Bana Kachopa, aussi Bama Tatabande Walanda Congo Bululu. Et Mobutu avait eu cette vision, et pas ya les grands maîtres de Mandasemi. Les grands maîtres de Mandasemi, apesa kaye ba vision yon sowana. Yangwano mwona ki Mobutu était vraiment fort. Azalaki surope na tuka na kubanga te pona kolobela mindele na ba krimi oyon yon sotu basali na kati ya kachopa ma tatawande wala ya Kongo Bololo. Yangwano toloba ki nabino ete kozala na un homme visionnaire Iza malamu pona mboka. Kuzana mutu oyo azali sorope na tuka na puya bakulu. Izali bolamu pona mboka. Alors, ba oyo bazaba ba visionnaire te, bango bazwa kailu kule inimi parce que il dit la vérité. Il dit tout haut, là où tout le monde pense tout bas ba mawa tatabandeko. Alors voilà, le grand maître de Mandasemi, défenseur, n'est-ce pas, ya Bana Kachopa, Bana Kachopa Akati, l'insulteur du Sud, est combattu par ces chiens de l'ennemi. Et voilà, les grands maîtres Mandasemi, mais sont capés sur Bapui, Tarandenge Mutako Maka, Makasi Nanguya. Le Kurandenge Bamobutu, Bakomaka, Sorop Nanguya, Kokena Kolobana Tribune des Nations Unies, sans crainte, Bamatata Andeko Ponako, dénoncer l'injustice au Bisho Baindo, Tozaleki Sorop Nantuka. Comment on a pu toujours continuer comme on a ma tatabande kwa landa Kongo Bololo. Alors ya ngwana ma tatabande ko zali tout simplement devoir de ya mémoire, devoir ya mémoire. Ya ngwana eko tira bino sorop na tuka, allocution ya Mobutu na kati ya Nations Unies pona été boko ka ko savourer ya ngoba ma tatabande kwa landa Kongo Bololo. Voilà, en bref,
oyo na koka isoro pena tuka komeme na bino en tout cas na apoko na lelo. Alors sans plus tarder, toza ko tira bino allocution yango, c'est à vous de juger et ya kuyoka ete soki bozali na moto oyo azal na soutien ya un homme teinté de la spiritualité bokomo na ndenge nini akoma ka soro pena en tout cas nanguya. Matono mingi, na bino banso, totiki bino soro pena tukwa, buko ako savure, soro pena, alokisyon wana, ya Mobutu Sese Seko. Matono. À partir de cette période, nous croyions que tous les colonialistes avaient fini par comprendre l'irréversibilité de l'histoire. Mais, l'expérience actuelle montre que l'Afrique n'est pas encore au bout de ses peines, car les colonialistes livrent encore le combat d'arrière-garde. En effet, des mercenaires blancs, payés par certains pays, avaient cherché à reconquérir même certains pays déjà indépendants. C'est le cas de la République démocratique du Soudan, de la République fédérale du Nigeria et de celui de mon pays, le Zaïre. Dans la ville de Bukavu, à l'est du Zaïre, un mercenaire blanc venu d'Europe s'était proclamé sans rire président de la République du Zaïre. Si un noir l'avait fait en Europe, on l'aurait pris pour un humoriste de mauvais goût, un détraqué mental. Mais, puisque c'était un blanc qui le faisait en Afrique, les colonialistes avaient mobilisé la presse, la radio et la télévision pour les mettre à son entière disposition, non seulement pour lui faire la publicité, mais aussi pour ridiculiser le chef de l'État du Zaïre que je suis, pourtant incontesté aussi bien dans les limites du territoire national que dans tous les pays représentés ici. Une telle provocation est pour moi une insulte intolérable que je ne peux pardonner. Au moment où je vous parle, la situation anachronique qui prévaut actuellement en Angola, en Rhodésie, au Mozambique, en Namibie, en Afrique du Sud, est impensable sans un soutien réel de certaines puissances occultes. Comment peut-on expliquer qu'un pays comme le Portugal puisse avoir la force de contrôler des grands territoires comme l'Angola, le Mozambique, s'il n'était pas soutenu par des puissances plus puissantes que lui? En effet, le Portugal est un pays économiquement, socialement et culturellement sous-développé, sans démocratie. Sans démocratie, sans aucune force militaire, son seul record est le taux le plus élevé d'analphabètes en Europe. Sa force et son arrogance lui viennent tout droit de son appartenance à l'OTAN, car ce pays avec ses colonies est nécessaire stratégiquement pour cette organisation militaire. Le volume d'investissement et de capitaux venant de l'Occident augmente de jour en jour dans les colonies portugaises. La construction du barrage de Cabo Rabassa, qui servira à alimenter en grande partie la République sud-africaine, montre sans équivoque que les puissances intéressées s'opposeront toujours à la libération et à l'indépendance des pays précités. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur et de l'Information, le docteur Connie Mulder, a récemment déclaré que la République sud-africaine était prête à apporter son soutien militaire à tous les pays d'Afrique australe, y compris le Mozambique et les autres territoires portugais, pour combattre ce qu'il appelle le terrorisme, entendez la lutte héroïque des nationalistes africains. Le docteur Mulder faisait cette déclaration au moment où il effectuait un voyage en Rhodésie pour inspecter les unités de l'armée sud-africaine combattant auprès des forces rhodésiennes contre les patriotes zimbabwéens. Entre les deux colonies portugaises, l'Angola et le Mozambique, s'est développée il y a quelques années une situation presque aussi similaire, mais en tout cas scandaleuse, je veux parler de la Rhodésie. Un certain matin, nous avons appris par la presse qu'après plusieurs discussions secrètes entre le gouvernement de sa très gracieuse majesté britannique et les colons britanniques installés en Rhodésie,
ceux-ci s'étaient rebellés contre leur gouvernement, leur pays et leur souveraine, et que les autorités de la Grande-Bretagne étaient incapables de faire changer d'avis leurs compatriotes d'Afrique. La Grande-Bretagne a comme devise « Dieu est mon droit ». Ce qui, je suppose, signifie que le rôle du gouvernement de ce pays est de faire régner la justice là où il en a l'autorité. En survolant l'histoire de ce grand peuple, on constate qu'il a largement justifié l'existence de cette devise et qu'il a même outrepassé la simple justice pour la confondre avec ce qu'il pouvait appeler le seul droit de la grande île. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler d'innombrables mouvements de rébellion et d'indépendance si violemment mappés par la Grande-Bretagne au cours de son histoire. Pour l'Afrique, l'exemple du Kenya est frappant. En effet, l'injustice du gouvernement britannique qui réservait à ses colons les meilleures terres de ce pays entraîna une révolution légitime des Mau Mau. Cette révolte fut sauvagement matée par une boucherie de près de 15 000 personnes. Le cas des États-Unis d'Amérique, qui ont vaillamment lutté pour conquérir l'indépendance, est trop connu pour être développé ici. Partout, au Kenya, aux Indes, en Guyane, à Chypre, à Aden, en Palestine, à Gibraltar, à Anguilla, la Grande-Bretagne a utilisé la force pour faire valoir son autorité. Partout, sauf comme par hasard, en Rhodésie. Et pourtant, les Africains de Rhodésie, comptant sur la justice de ce grand pays, avaient fait confiance au gouvernement britannique. Mais, hélas, ils durent déchanter. C'est ainsi qu'un jour, 2000 manifestants noirs qui s'étaient nichés dans les arbres aux abords de l'aéroport de Salisbury pour accueillir le premier ministre Harold Wilson entonnaient une mélopée dont les paroles disaient, je cite, « Nous sommes des nègres, des orphelins de Rhodésie. Personne ne nous aide, personne ne nous aime. » Fin de citation. Les policiers blancs répondaient, je cite, « Laissez donc ces damnés singes, laissez-les remonter aux arbres d'où ils viennent. » Fin de citation. Voilà pourquoi nous dénonçons le racisme. Il est prémédité, il est ignoble, il est inhumain. On a souvent parlé de sanctions économiques pour réduire la sécession en Rhodésie. Mais en réalité, la Grande-Bretagne protège son ami de l'OTAN, le Portugal, et celui-ci protège à son tour ses amis colons britanniques de Rhodésie. Et ils arrivent paradoxalement, non pas à décourager les sécessionnistes, mais à asphyxier un pays indépendant, je cite la Zambie. La Grande-Bretagne, qui se considère comme le pays le plus traditionnellement démocratique, défenseur des libertés fondamentales et des droits légitimes de l'homme, accepte, tolère et implicitement soutient ses 200 000 sujets rebelles qui, contrairement aux règles élémentaires de la démocratie, maintiennent encore dans l'esclavage 4 millions de Noirs. La situation des territoires portugais et britanniques se prolonge jusqu'en Afrique du Sud. Ce pays est le seul sur cette terre des hommes où les Blancs ont élevé la ségrégation au niveau d'institutions. Et le terme « apartheid » n'existerait pas dans le langage humain si les Blancs n'étaient pas en Afrique du Sud. Au lieu d'être logique avec eux-mêmes, en laissant les Blancs et les Noirs séparés, chaque groupe se développant de sa manière, les Blancs poussent leur barbarie en exploitant l'homme noir comme du temps de l'esclavagisme suranné. C'est ainsi que grâce à une main-d'œuvre quasi gratuite, 420 000 Noirs extraient à la main les deux tiers de la production mondiale de l'or au profit des Blancs. Et ces Noirs d'Afrique du Sud, n'ayant ni droit de grève, ni droit syndical, ni droit tout court, qui avaient demandé une augmentation dérisoire de leur salaire, tenant compte du cours mondial actuel de l'or, ont été purement, simplement et sauvagement abattus par les autorités sud-africaines. La République sud-africaine nargue l'Organisation des Nations Unies depuis plus de 20 ans sur le problème de la Namibie. Et la chose la plus grave que les racistes sud-africains font actuellement, c'est la balkanisation de ce grand territoire africain. Face à ce complot contre l'Afrique indépendante, trois pays les plus essayent de coordonner leurs efforts afin d'assurer d'une part leur propre sécurité et d'autre part
afin que les pays actuellement occupés soient libérés. J'en profite d'ailleurs pour rendre un vibrant hommage à mes frères Julius Nyerere et Kenneth Kaunda pour leur sagesse et leur détermination à la cause de la libération africaine. La mise en commun de nos moyens dans le cadre d'une conférence tripartite permanente permettra, j'en suis convaincu, la création d'un axe de dissuasion Kinshasa-Lusaka-Dar es Salaam. Tous ceux qui aiment l'Afrique doivent aider la Tanzanie, la Zambie et le Zaïre à assumer leurs responsabilités. Matondo. Matondo mingi, maman, batata, bandeau, kalandi, à Congo, bololo, on est acquis tout simplement devoir et à mémoire, hein, maman, batata, bandeau, hein, pour n'a là, Kisabi n'était, Mobutu n'était pas qu'un dictateur, mais c'était aussi, donc, un défenseur, n'est-ce pas, il y a Banana Katiopa, hein, donc, Azwaki Nguya Wanawapi, c'est au côté, n'est-ce pas, les grands maîtres Mandasemi, ou yo, sur en tout cas, hein, la Kisaki Ndengenini, il y a pour défendre, n'est-ce pas, Banana Katiopa, ma tata Bandiko, parce que, bon, Balingi Kubalinga Kouyebate, ou Balingi Kouyeba, en tout cas, et c'est na bango ba kwakouye ba été, le grand maître Mandasemi. Donc, hein, c'était Moto Oyo, Azalaki, donc, hein, koide, hein, Mobutu pona, hein, ko, la likambo est allé recours à l'authenticité, etc. Bah, moi, tata bandou walanda kongo, grâce, na, le grand maître de Mandasemi, que, Mobutu, Azwaki Sorop, en tout cas, Nguya wana, ya, ko sa, recours à l'authenticité, hein, kolobela Sorop, en tout cas, bah, koko nabiso, kolobela Sorop, en en tout cas, ba kombo na biso ya ba koko na biso ba ma tata bande wala ya Congo bole. Voilà tant que vous allez na soutien non pas na un homme teinté de la spiritualité, hein, voilà ndenge un président de la République a koma ka solo ben en tout cas na Nguya. Voilà ba ma tata bande wala ya Congo bololo, on est là qui tout simplement na mukuse, hein, devoir ya mémoire on a ko solo ben en tout cas ko meme na bino solo ben en tout cas na pourquoi na lelo ba ma tata bande wala ya Congo bololo. Alors, ba commentaire nabino, na katiwana, et kozala solo ben en tout cas, na bo senga mingi, hein, ba ma tata bande kwalanda Congo bololo. Donc, voilà, wana en tout cas, toko kouta nabino isusu mbala asima, hein, donc, vraiment, kimia pe bo boto bondeko. Hein, la fin de finité, le leader. C'est vrai que quand on... Bolimbi se vraiment tata bande ko na bandeko oyo bazali solo ben en tout cas hein ko benga ba tata bande ko lande ya Congo bololo. Alors donc voilà wana en tout cas ba mama tata bande ko toko kutana bino isusu mbala sima bon moment sanu wa mama tata bande ko parce que hein lelo to suki nano awa hein to pesibino devoir ya mémoire wana hein boko ka solo ben en tout cas ko savourer yango. Hein, donc voilà, voilà. Tu commis peut-être lobby, bon moment ça. Kito komingi. Que le Seigneur à Congo nous bénisse tous. En tout cas, bénisse les grands maîtres de Madame Semi et bénisse la République démocratique du Congo, leader de Timati. Matendo. Thank you.
Come on, y'all!